Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul mode. On espère que tu vas bien. En tout cas, nous ici, ça va super. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien, fais-le maintenant et rejoins-nous sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Pinterest. On a fait un peu de shopping, on a fait les soldes. Donc, on commence tout de suite avec la marque Chausséa, avec cette magnifique paire de baskets. Donc, on est plus dans la tendance ugly daddy shoes, voilà. Les grosses baskets qu'on a piquées à notre père, donc on est dans une tendance des années 90. Et nous, franchement, on adore. Elles sont super sympas, roses, comme ça, un peu rose pâle. Il y a un dégradé de couleur derrière. Une petite bulle là, ici, façon, comment ça s'appelle, les Nike Air, voilà. Donc elles sont vraiment bien. On est bien dans cette tendance, elles sont sympas, elles sont confortables et surtout elles sont pas chères. Donc cette paire elle m'a coûté 29,95€. Je l'ai pris en taille 41 et franchement j'en suis super contente. Donc du coup bah, moi aussi hein, forcément je suis allée sur la même tendance. Donc on est sur la grosse paire de baskets vraiment mastoc avec une grosse semelle. Donc là mes chaussures elles ressemblent vraiment à deux gouttes d'eau à s'y méprendre aux chaussures Fila. Donc moi je trouvais que c'était... Ah ouais, c'est un bon dupe hein. C'est un bon dupe de la basket, donc la grosse basket bien mastoc de chez Fila. Donc je trouve que ça ressemble vraiment vraiment à ces baskets. Chaussures, elle a coûté 29,95€ et en plus chez Chausséa, donc quand on achète une paire, on a la deuxième à moins 50, donc ça fait vraiment des chaussures hyper pas chères. Voilà, hyper pas chères, donc n'hésitez pas à aller voir si vous aussi vous cherchez un peu cette tendance de grosses baskets. Ouais. Il y en a vraiment à foison qui sont vraiment pas chères. Si vous voulez vraiment trouver des dupes, donc allez chez Chausséa. Ouais. C'est difficile à dire. Ouais. Allez chez Chausséa. Et ça a été vraiment une bonne surprise parce que c'est pas un magasin qu'on a l'habitude de fréquenter. Et franchement, on a trouvé que c'était un bon rapport qualité-prix. Donc il y a des bonnes chaussures qui suivent les tendances. Et là, on va vous montrer une deuxième petite paire. Franchement, je les trouve super sympa, super élégant, super stylé. Voilà, cette petite paire de sandales en noir avec des petits clous. Je la trouvais, mais vraiment, moi je trouve qu'elle est rock. Elle est rock et c'est aussi ça aussi, c'est un peu inspiré des chaussures Valentino. Oui, c'est très couture. Voilà, voilà, ça donne un esprit couture. Voilà, il y a des petits bijoux, des clous, des perles. Elles sont vraiment bien. Et donc moi aussi, bah voilà, j'ai succombé. Il me fallait les miennes et moi j'ai la version grise. Ouais. Elles sont top. Voilà. Super bien. En plus on est bien dedans. Ouais. Le talon il est hyper confortable et la chaussure aussi. On n'est pas hyper serré à l'intérieur. Donc le gros talon, c'est pas talon aiguille. Donc on arrive à marcher. On est quand même ouais, assez stable. Et puis au niveau du price, c'était vraiment la grosse surprise. Donc cette chaussure à la base elle coûtait 34,95€. Mais comme on vous l'a dit tout à l'heure, donc nous c'était une chaussure achetée, enfin une paire achetée et la deuxième à moins 50. Donc pour le coup, cette paire de chaussures, moi je l'ai pris en taille 41. Et Nadège elle a pris en taille 40. Moi j'ai pris du 40 parce que je voulais absolument ces chaussures et 41 il n'y en avait plus. Mais franchement en 40 elles me vont aussi, hein. Je suis aussi bien dedans. Donc pour moi il n'y a pas de différence entre le 40 et 41. Franchement si vous faites du 41 et que vous ne les trouvez pas, vous essayez 40 hein, et vous me direz si ça passe. Donc voilà, donc c'est Chausséa. Donc on continue avec les petits prix avec cette petite paire de chaussures donc, que j'ai acheté chez Stradivarius. Donc celles-ci aussi, elles sont vraiment pas chères. Elles ont coûté 19€. Donc celles-ci, elles n'étaient pas soldées. Mais bon, pour le prix, il n'y avait pas forcément besoin d'attendre les soldes. Donc 19€. Donc là, on est sur une matière suédine. Elles sont vraiment sympas, toutes mignonnes. Donc là, on n'est plus sur des escarpins à petits talons. Donc petit talon carré, super confortable. Moi j'ai trouvé élégante. La couleur moutarde, ça rehausse vraiment les tenues. On peut mettre un petit jean tout simple, un petit t-shirt et puis les chaussures. Voilà, je vous présente cette paire de bottines à talons.
Donc ça vient de chez Primark, elles sont ultra stylées, donc c'est ouvert derrière et c'est ouvert devant, et en plus ce que j'aime bien c'est qu'elles sont zippées, voilà, sur tout le pied là comme ça, avec le talon métallisé, voilà, doré métallisé. Moi je les trouve top, élégantes, classe et stylées. Donc je les ai prises, voilà, toujours en taille 41. Et celles-là, elles ont coûté 19 €. Alors le petit plus, c'est qu'en arrivant en caisse, elles m'ont coûté simplement 9,95 €. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Un petit coup de cœur. Donc elles étaient tellement sympas que moi aussi, je me suis pris la même paire. Franchement, pour 9 €, voilà, j'allais pas passer à côté. Là, on continue toujours avec des chaussures. Et là, cette fois-ci, je vais vous présenter un petit bijou de chez Eram. Des petites mules métallisées vert émeraude. Quand je les ai vues, franchement, j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment hyper belles, super stylées. Et franchement, vous les trouvez comment? Elles sont sympas, hein? Elles sont top. C'est vraiment des petits bijoux. Là, on est vraiment sur des chaussures qui font un peu... C'est des dupes de chaussures de couture. Ah oui, c'est Gucci. Voilà, ça imite pas mal les chaussures de Gucci. Donc franchement, elles sont sympas. Je les ai prises en taille 41. Elles salent hyper bien. Et en plus, j'ai eu une petite réduction dessus parce qu'elles étaient à moins 40. Donc, au lieu de 65 €, elles sont passées à moins 40. Donc, ça m'a fait environ une quarantaine d'euros. Toujours et encore dans les chaussures, je crois que là, on s'est acheté... Ouais. On a fait la radia sur les chaussures. On a fait la radia sur les chaussures. Donc, on est toujours chez Eram. Donc, moi, je me suis prise cette petite paire de sandales. Voilà, ça c'est les incontournables de l'été, elles sont punchy, elles sont flashy, elles vont avec tout, elles sont confortables, très féminines. Donc voilà, ça c'est mes petites chaussures préférées de l'été. Donc elles m'ont coûté à la base 65 €. Donc j'ai eu moins 50% dessus, plus encore 10%. Donc en fait elles m'ont coûté simplement 19 € et quelques, voilà. 20 € pour une petite paire de sandales alors qu'elle coûtait 65 €. Ouais. Franchement, c'est hyper sympa. Chez Eram, il y a vraiment des bonnes soldes. Hein. Ils ont vraiment des petites paires de chaussures vraiment sympathiques. Hein. Et je trouve que vraiment, Eram, ils se sont améliorés en termes de gamme, en termes de style. Donc, ce qu'il y a vraiment d'intéressant chez Eram, c'est que voilà, tu peux très bien aller directement sur Internet, regarder les chaussures qui te plaisent, sélectionner ton magasin et te faire mettre de côté les paires de chaussures qui te plaisent. C'est-à-dire que quand tu arrives en boutique, tu les essayes et si elles te plaisent, eh ben, tu les payes. Donc ça, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Ouais, ça c'est super sympa parce que ça t'évite d'aller au hasard dans les boutiques. Tu trouves la paire de chaussures qui te plaît, mais il n'y a pas ta taille. Et ça, c'est super frustrant. Ah, c'est frustrant. Donc la réservation en ligne, franchement, c'est top. Dernière paire qui vient aussi de chez Eram. Donc, là, on est plus sur l'été. Bon, là, on est passé en hiver. Voilà, c'est plus du tout l'été, mais je trouvais que c'était super intéressant de les acheter parce que ça faisait un moment que je lorgnais dessus et je trouvais qu'elles étaient quand même un petit peu chères. Donc, dès que je les ai vues sur internet à un prix qui était vraiment, vraiment réductionné, donc j'ai sauté sur le cas. Donc, des petites bottines comme ça, bleu marine, avec un petit talon, avec une petite fantaisie devant. Moi, je les ai trouvées super sympas. Donc ça sera mes chaussures de la rentrée. Les petites bottines à avoir pour aller bosser. Donc ces chaussures, elles étaient quand même à 70 €. Ouais, ça fait cher. Moi, je trouvais que ça faisait cher. Hein. Bon, et je me suis dit, bon, allez, je vais attendre. Et franchement, je les ai eues à moins 70%. Elles m'ont coûté 20 €, voilà, 20 € si je fais bien le calcul, autour de 20 €. On vous remettra les prix de façon, on vous remettra le prix. Juste un petit. Et c'est pas estival, mais ça va me servir pour le mois prochain, parce que finalement... Oh, si tu t'avances un peu là. Mais ça passe vite, hein. Bon, on va dire au mois d'octobre. Hein. Non, mais au mois d'octobre. On est encore, voilà. Août, septembre, là en octobre, oui, tu vas pouvoir les sortir. Hein. Là, ça sera les petites chaussures de la rentrée d'octobre, voilà. Donc là, fini les chaussures, on passe aux vêtements avec là une petite sélection de jeans. Donc là, on a fait la radia sur les jeans. On s'est fait vraiment plaisir. Et là, donc on passe avec Mango Outlet avec ce petit jean. Donc là, on est vraiment sur une coupe mom fit.
super sympa. Donc ça faisait un moment que je cherchais un petit jean blanc. Donc à la base, il coûtait quand même 39 €. Et dès que j'ai vu qu'il était à 12 € sur le site, et ben là j'ai fait vraiment. Franchement, le petit jean sympatoche. Donc vous le verrez de toute façon en try-on. Donc il est plutôt court en bas, il arrive juste au-dessus de la cheville. Et il est hyper taille haute, donc je trouvais ça sympa. Donc pour l'été, pour se faire des petits looks vraiment sympas, avec des petits t-shirts, le jean, et pourquoi pas, vous voyez, avec ces petites chaussures. La tenue, elle est faite, donc on est sur des tenues simples et efficaces. J'enchaîne avec un autre jean, et là, on est sur la marque Monkey. Et là, eux, ils font une sélection de jeans, donc toujours le jean mom. Et là, je l'ai pris pour changer en rose, rose clair, rose un peu pâle. Et eux, ils ont une gamme de jeans qui s'appelle la gamme kimono. Donc on est sur des coupes mom super emboîtant. On est sur de la taille haute et coupée à la cheville. Moi, je trouve qu'ils nous vont... 7/8e. Voilà, 7/8e. Donc moi, je trouve qu'ils nous vont super bien. Ouais. Il y a une bonne coupe, ils sont confortables. Et là, en fait, ces jeans, à la base, ils étaient à 40 €. Et celui-ci, il est passé à 20 €. Donc là, voilà, je ne me suis pas fait prier. Tout de suite, le jean, je l'ai pris. Et voilà. Non, les jeans Monkey, c'est vraiment de très, très bons jeans. Je trouve qu'ils ont un bon rapport qualité-prix. Franchement, ils sont bien. Ouais. En plus, eux, ils sont sur sur un coton organique. Ouais. Donc, je trouve que oui. Au toucher, ils sont hyper doux. Et en plus, ce que j'aime bien chez Monkey, c'est qu'ils ne mettent pas 3 tonnes de stretch. Voilà. Donc le jean, quand même, il est assez pas dur non plus, mais il tient bien. Il tient bien. En plus, je reviens parce que au niveau du jean mango, donc moi j'ai pris une taille 36. Au départ, j'avais commandé un 38, mais il était trop grand. Donc je sais pas, le mango, je pensais faire du 38, mais là j'étais contente, donc j'ai pris du 36. Et là sur la coupe des jeans de chez Monkey, donc la coupe kimono, là j'ai pris du 28. Donc moi j'aime pas quand les jeans ils sont trop serrés, donc c'est une coupe qui est vraiment fitée. Donc nous les jeans c'est notre uniforme, donc moi aussi... voilà, j'ai pris aussi mes petits jeans. Donc pareil aussi, là c'est le petit jean noir gris de chez Monkey aussi. Le modèle aussi kimono en taille 28. Franchement, il est top. Il est bien, voilà. Comme Nathalie vous a dit, il est taille haute. Voilà, il n'y a rien à dire sur ces jeans. C'est vraiment des jeans, franchement, qui sont bien. Donc, ces jeans de chez Kimono, normalement, à la base, ils sont Monkey, ouais. Les jeans de chez Monkey, c'est 40 €. Et généralement, ils font pas forcément de réduction dessus. Donc ça dépend. Mais celui-là, il n'était pas réductionné. Donc c'était 40 €. Mais je trouve que 40 € pour un jean de bonne qualité, bon, franchement, ça va. Il est bien. Franchement, il est bien. Il n'y a pas trop de stretch. Il tient bien. Il n'y en a pas du tout. Quasi pas, hein, franchement, et il est super confortable. Moi, je sais que j'en avais acheté un il y a au moins 3 ans. On était allé à Londres, et c'est justement à Londres qu'on avait découvert cette marque. Je l'ai acheté il y a 3 ans, et le jean, il tient encore. Hein. J'ai un autre petit jean Monkey, donc voilà un peu le bleu blicht, voilà, qui fait très années 80. C'est top, voilà, lui aussi en taille 28. Un modèle hyper bien, hyper sympa. On aime Monkey, il n'y a rien à dire sur ce jean. Testez la gamme Monkey, franchement vous ne serez pas déçus. Tellement les jeans ils sont bien, donc forcément moi aussi. Je me suis acheté le jean noir et j'ai pris aussi le jean neige. Hein, qui lui par contre, je ne sais pas si tu l'as dit, il avait sa réduction et lui il est passé aussi à 20 €. Donc franchement sur 20 € au lieu de 40, bah forcément, voilà, on aussi saute sur l'occasion. Donc finalement on s'est acheté les mêmes jeans, sauf le petit, celui-là je n'ai pas. Ouais. Mais on s'est acheté les mêmes jeans, c'est vraiment des basiques, bleu, noir et blanc. C'est des jeans qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Et bon, même si tout n'était pas soldé, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. C'est vrai que les soldes, souvent on n'achète pas tout ce qui est soldé. Mais bon, je pense qu'on est tout un peu pareil. Les soldes, des fois on prend ce qui est soldé, des fois ce qui n'est pas soldé. Donc vous pouvez nous le dire aussi en commentaire si vous aussi vous êtes comme nous, si pendant les soldes vous achetez des trucs qui ne sont pas forcément soldés. On termine ce haul avec la petite touche estivale, avec une petite robe. Donc c'est la petite robe blanche.
super sympa. Donc la robe brodée avec des petits volants, elle est vraiment, elle est bien, hein. Elle est mignonne. Elle est mignonne, c'est la petite robe blanche pour l'été. Donc cette petite robe, je l'ai achetée à CEA. Mais là aussi, c'était une grosse surprise, CEA. Parce que franchement, j'étais du côté de... Opéra, non? Je sais plus si j'étais Opéra ou du côté du Forum des Halles. Rue de Rivoli. Ouais. Non, Rue de Rivoli, hein, CEA, voilà, c'était Rue de Rivoli. Donc je faisais un peu les magasins comme ça, en long et en large. Et ben j'ai regardé CEA, je dis, oh c'est vrai CEA, j'ai pas l'habitude d'y aller. Et j'y suis allée, donc il y avait toute une série de robes un peu comme ça, bohème. Et moi j'ai flashé sur cette robe là, vraiment sympa. Donc ça me fait penser un peu au défilé Isabelle Marant. Voilà. C'est un peu folk, il y a un petit air un peu rock, un peu voilà, bohème. Dès que je l'ai vu, j'ai dit, ah bah tiens, je vais pouvoir me faire des tenues un petit peu à la Isabelle Marant sur son dernier défilé. Donc du coup cette robe, elle m'a coûté 22 ou 23 euros. Donc je l'ai prise en taille 38. Elle était réductionnée je crois à 40%. Je vous mettrai exactement le prix de la robe avec sa réduction. Donc c'était une petite surprise CEA. C'est vrai qu'on n'y va pas. Ça a toujours une petite connotation un peu familiale, un peu maman, tu vois. Mais il y a des trucs sympas. Mais il y a des trucs sympas. Franchement, si vous cherchez en plus des basiques, des jeans blanches, des t-shirts, franchement, il n'y a pas besoin d'aller tourner en rond. CEA, il y a des trucs sympas. Bah, je pense que je vais refaire un petit tour comme ça pour aller encore dénicher. Là, on est en fin de sol, aller peut-être dénicher des petites pépites, des petites trouvailles avec des petites robes bohèmes comme ça. Je pense que ça va faire un bel entre-deux. C'est la robe qu'on peut porter très bien en été et on peut la recycler en automne. Voilà, je pense qu'avec ça, je vais me faire des tenues sympatoches. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu n'es toujours pas encore abonné, eh bien abonne-toi. Et puis retrouve-nous aussi sur notre blog mode de fashiontrusty.com. Et on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Surtout n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air, voilà, si la vidéo t'a plu. Et on garde le contact dans les commentaires. Et on va se dire à une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.